précédemment dans Waka. Là, j'ai un creeper qui vient vers moi. Quoi ? Tu veux dire que Fanta a plongé dans le puits ? Quoi ? Il est en train de se noyer alors que l'eau monte, le puits s'est refermé sur lui-même et un éboulement est en train de lui tomber sur la tête, le menaçant de lui briser la troisième vertèbre et la seconde côte ? Mon Dieu, on y va ! Hop là ! Ah bah j'ai trouvé du charbon. Ah, félicitations. Du coup, voilà, j'ai amélioré encore une fois le... Ah, et... Oh ! Non ! Salut à tous les amis, ici Fan, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre, plus connu sous le nom du Fanta, et je suis en compagnie du grand, du magnifique Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Guac Lennon. Et c'est par ma faute que vous ne saviez pas ce qu'il y avait dans ce coffre, avant le début de cet épisode, hein, lors du dernier épisode, vous étiez Guacé, vous étiez qu'est-ce qu'il y a dans le coffre, vous ne sauriez pas, et même je vais être pire, vous ne saurez pas avant la fin de cet épisode. Voilà, on se casse. Alors, attends, ouais, ça pourrait être sympa. Ouais, ça pourrait être guac, hein. Alors j'aimerais bien qu'il tombe pas. Oh putain, j'en ai poussé un en me mettant en sneak. Ah, ne pousse pas les poulets, il y en a deux là. Enferme les poulets. Reviens. Il est con ce poulet. Il y en a combien? J'en ai perdu deux. Non, il y en a deux là. Oh là, ils sont là. Ah, ils sont derrière. Ah, bien joué. Excellent, Fanta. Parfait. Sensiblement c'est quoi ça qui est sur le sol? C'est pas des silverfish ça? Ce sont des flèches. Ah d'accord. Des flèches plantées à même le sol. Enfin. Ok, alors allez, moi je leur montre, hein, le coffre. Ouh! Y a dans le coffre? De la bouffe. Mais gavé, hein. On partage, on partage. Des bouteilles d'enchantement. Qui nous serviront très peu puisque je viens de mourir moi perso. On meurt assez jeune, ouais, c'est clair. C'est ça, et je voudrais juste faire un four, histoire de faire cuire ces steaks. Hein. J'ai juste besoin de 8 cobbles. Il y a une araignée qui est juste au-dessus de nous et... Oh putain! Et paradoxalement, on est protégé par l'échelle, Fanta. Les monstres n'arrivent pas à nous rejoindre. Les échelles les empêchent de descendre. Il y a un creeper par contre juste au-dessus. C'est la violence. C'est un peu exigu, hein, tu remarques. Oh mon Dieu. Non, tout se passe bien. Oh là là. Ça gère, ça dose, si je puis me permettre. Tiens, prends ça. Direct de l'action. Putain. Oh là là, oui, on est vaguement dans le trou. L'objectif était quand même de... Oh putain, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je ramasse 8 cobbles pour faire un four. Mais prends-les au plafond, prends-les pas au... Prends-les là dans le sol, au mur, enfin... Enfin, mais pas ce qu'il y a en dessous de nous, parce que sinon ça risque d'être richement compliqué très vite en fait. Ah, hein. C'est ah bon. Ça. Ok, c'est bien, Bob. Tu te sens les coucougnettes d'aller plus bas? On a besoin d'aller plus bas? Ah, bah, il y a de l'autre côté en fait. Ce que j'ai bouché, c'est parce que de l'autre côté, c'est la mort. Attends, je pose une torche. Ouh putain, un zombard. Aïe, meurs. Hey, il y a un panneau. Je touche une heure, je vais tomber ça et ah ah sur la torche le sable se détruit. Les yeux. Merde, les zombies descendent des échelles. Ah ouais, effectivement, ils sont nombreux. C'est la bataille, c'est la guerre. Encore. Toi. Encore. Ah ouais, d'accord. Encore. Je pense qu'il y a un spawner pas loin, je vais être sincère. À mon avis, il y a une fête quelque part, mais ils croient que c'est chez nous. C'est chez eux, surtout. La déception. Attends, je bouche le trou qui est juste au-dessus de nous. Hop. Trou dont je suis partiellement responsable, devrais-je rajouter. Voilà. Excellent. Oh là là. Oh, bien joué. Aïe, c'est moi ça. Navré. Alors tu sais ce qu'on va faire, on va péter cette machine. Non, et voilà. Bon. Ah bien joué, excellent Fanta. Cramé. Alors maintenant ça se passe de ce côté là mon petit Bob, c'est là que j'avais bouché tout à l'heure. Et tu... Là ça m'a l'air assez risqué, donc on va déjà taper dans les murs. Ça m'a l'air, c'est très dangereux en fait. Alors je vais péter ça à l'épée pour être tout de suite prêt.
Parce que de l'autre côté, mon petit Bob, viens avec moi, Bob, s'il te plaît. Oh putain, un trou qui mène à de la lave. Non, mais c'est très dangereux ici. De toute façon, j'ai déjà tout perdu, alors... On te suit, on te suit. C'est par là, c'est par là. Ah, ah, oh, ah. Excellent, j'ai toutes les l'infrastructure nécessaire pour péter le bois, Natacha. Oh, il veut m'offrir un œuf. Oh, il est mignon. Il est mignon, mais t'es mignon. Il absolument adore ce zombie. Je peux le garder ? Je promis, je ne. Wakan Dungeon. Fuck yeah ! Le donjon, il était donc là. Ah, oh. Yes. Il est tombé à la lave. Alors, Wakan Dungeon, c'est ici. Ok, parfait. On n'a pas assez, par contre, de surface pour couvrir tous les trous et... Moi, j'ai un petit peu... Et toutes les aspérités dangereuses qui traînent dans cette zone démoniaquement fourbe. Moi, voilà, c'est bon, c'est bon. Bob, tu peux traverser. Ouais, c'est clair, mais je récupère c'est quand le même saut de la foi. Je récupère quand même un peu plus de murs, si tu permets. Parce que je... Déjà, j'aime bien savoir à quoi je m'adresse. Alors, ça toujours fait peur, en Kevin. Comme... Ouais. Ça fait peur, mais je tiens à te dire que l'endroit est sécurisé. Hein. Tu ne peux pas tomber. Hein. Tu vois, il n'y a pas de... Il y a okay. plein de trous, genre t'as l'impression qu'il y a plein de trous. Wakan en fait... Dungeons. Tu sais qu'on est pas total, on est pas du tout équipé pour. Hein. Monsieur, on est équipé pour. On est équipé pour. On est équipé de 18 cm d'épicness dans leur gueule. Tiens, avale des kilomètres de bite. C'est la taille de ton épée. Oui, oui, disons ça, oui. Donc. Alors, il y a des torches de redstone, j'enlève ça. Eh ben, Bob, 18 cm, ça fait pas un kilomètre. C'est parce que je fais plusieurs pas et bien. Il n'y a pas de mystère, les gens. C'est des mathématiques, tout ça. Alors. Oh, une belle pomme en or, toute la bouffe dont j'ai envie. Bim. Et un chaudron qui sert à rien, mais on peut le recycler si on veut. Est-ce que les torches de redstone empêchent les apparitions démoniaques? Ouch. Non, apparemment non. La réponse est donc non. D'ailleurs, les poulets, j'aurais dû les laisser dedans parce que ça aurait été très pratique ici. On aurait dû choper du. Il y a un crâne, un chaudron, ce crâne, ça se récupère ce crâne. Chaudron, on récupère, ça fera style. Le crâne, on s'en fout. Hein. Moi, ce que je récupère surtout, c'est un peu de roche sur les côtés. C'est toujours utile pour. Ouais, d'accord, mais c'est tout. Non, il y a encore un truc là où le. Regarde là, tu vois, il y a un squelette et un poulet. Oh, en effet, effectivement, ça descend. Et quand ça descend encore dans les plus sombres ténèbres. Oh là là, attention. Oh shit. C'est toi qui regarde, c'est toi qui regarde. Alors recule, 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 recule. C'est toi qui regarde, disais-je. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est safe, c'est sécure. Et puis, ça s'est plutôt bien passé. Une seconde, laisse-moi juste reconstruire quelque chose de viable. Voilà, ok, la prison trouvée. Il y a du zombie, il y a... Il y a une saloperie. Attends. Bien joué. Défoncé. Là, il voilà. Y a une chauve-souris, accessoirement. Ça rapporte rien, la chauve-souris. T'as pas besoin de... Pas besoin, voilà, défoncer de la vitre. C'est bien ça. À la Walking Dead, on prend un marteau, un gros clou à travers la grille. Blin. Excellent. Bah écoute, ça me paraît complètement réglé. C'est tout. Bah c'était déjà pas mal, hein, vu la taille de l'île. C'est vrai que c'est déjà pas mal. C'est vrai que l'île est toute petite, mais du coup, je continue de récupérer les ressources. Dangerous. Dangerous, dangerous. Ça fait penser à Nick Dangerous, un vieux jeu qui était sur Amiga. Rick Dangerous, pas Nick. Oui, c'est Rick Dangerous, t'as raison, c'est pas Nick. Pourquoi j'ai dit Nick? Hop. C'est ton esprit pervers, mon petit Bob, qui te joue des tours. Oui, délicieusement pervers. Je vois des diamants d'ici. Je vois des diamants d'ici à gros risque. Oh mon dieu. Alors attends, moi je vais creuser un petit peu le plafond parce que ça me paraît la manière la plus efficace d'avoir de la cobble ici. Et la moins risquée. Are you ready to risk it all to win big? Pardon, excuse-moi. Let's go for the big money. J'y vais, moi, for the big money. Oh, bravo, Bob. J'y vais, faut à force de big money. Surveille mes arrières, qu'il n'y ait pas une saloperie qui débarque et qui me pousse. Oh, là aussi.
inconspicueusement dans la lave. Même si je sais pas ce que ça veut dire ce mot, je dois l'utiliser de manière correcte. Je suis persuadé que c'est comme ça que ça se dit. Ça n'existe même pas. Inconspicueusement ? Non, éventuellement il y a concupiscent qui ressemble, mais ça n'a rien à voir. Je suis sûr qu'il y a un mot qui existe comme ça, mais ça n'a rien à dire. C'est peut-être en anglais. Du coup. Alors, je ne suis pas sûr que j'arrive à faire aussi bien que Lennon. Ah ! Yeah ! Et du coup, ouais, même le dessous est sécurisé. À nous le délice de la richesse et de la gloire. Cependant, pour ceci, Fanta, il nous faut une pioche en fer que je ne possède pas. Moi, je l'ai. Félicitations. Ah, attends, du coup, il faut sécuriser toute cette zone. Tout ça pour un seul diams, alors. Oh putain, t'as un squelette qui est tombé. Il a littéralement chuté à côté de toi. Je pense même pas que je puisse le sécuriser, celui-là. Mais si, regarde, ça se sécurise. Bam. Regarde ça. Bam, bam, bam. Oh, t'arrives à viser bam, en dessous, toi bam. Mais ouais, je suis trop fort. Bam, bam, et bam. Comment tu fais et pour voilà. viser en dessous? J'ai utilisé le cube qui était en dessous de tes pieds, Fanta. Tu étais sur un cube qui fait 2 de haut. Tu peux, ah, tu te... d'accord. Amplement. Du coup, par contre, sécurise ce diams, sécurise ce diams. C'est bon celui-là, ouais. Tu veux bien sécuriser les autres? Oui, vas-y, oui, sécurise, je veux bien. Sécurise. Vas-y bibiche, je surveille, gauche, droite, personne, y a rien. Dès que t'as la cam, on se barre. Oh, yes. J'en récupère rien, on a la cam, on se barre. Et par contre, j'ai plus de sable, on va fabriquer une petite pelle. Et j'ai 7 sables, mais j'ai pas nos perches. Oh putain. On est trop cons. Oh putain. La pauvre, la peur stupide qu'on s'est fait, le vieux dungeon crawler. Oh mais j'ai cru qu'on était sur World of Xin pendant une seconde quoi. Might and Magic 6, ça veut rien dire. Ok, oh, c'est bon. No Might and Magic 5, ce sont les deux World of Xin, pour ceux qui connaissent les séries. Des Might and Magic, qui sont ensuite devenus les Heroes of Might and Magic. Hop. Excellent. Peut-être moins les derniers, mais en tout cas, moi je me rappelle avoir passé un temps incommensurable sur le 3 et le 4. Tiens, PSP ! Il me défonce ! Tiens, prends ça ! Ah, il est mort. Il fait jour dehors, ce qui veut dire qu'on peut creuser d'ici normalement et être à peu près en sécurité relative. Donc faisons en sorte de récupérer le plus de sable possible. Shit ! Double creeper ! Oh mon dieu. Si tu feras attention, notre salle a été compromise. Je répète, la salle a été compromise. Et tu sais que j'ai plus de sticks. Est-ce que t'as de quoi faire un stick ou pas? Sa mère. Pourquoi? Oui, j'ai quelques sticks moi déjà. Mais excuse-moi, la salle a été compromise. Sa mère, je me remets ma vie un peu d'abord avant de procéder à la suite. Je vais essayer de prendre cette planche pour avoir le stick, oui. C'est chaud, hein? C'est très très chaud. C'est tendu, hein? Putain. Il nous laisse, surtout qu'il nous laisse, mais aucun répit, quoi. Voilà, je vous fais deux pelles. Je vous fais deux pelles, parce que je vous rappelle... jeu de mots, pelles. Enfin, fantastique, hein. Il y en a, c'est leur boulot. Ouah ! Comment ça m'envoie des fions ? Comment c'était ? Non, je parlais pour moi en fait, si tu veux. Non, attends, bouge pas, je mets des torches. Et là, du coup, regarde, si on casse le cube du dessus, le sable devrait se transformer logiquement. Yes. Ouais. On gagne un temps fou comme ça. Ok, et on remonte avec le sable alors. Par contre, s'il y a un creeper, c'est chacun pour sa peau, parce qu'à la seconde où il y a un creeper, on est tous sur le. Non, on remonte pas avec le sable. Si. Bah non, il y avait l'échelle, je voulais remonter. Il y a un creeper. Il y a plein de creepers. Eh ben, au charge je t'en tiens, tu m'as l'air très... Ouais. Ah, j'ai été empoisonné par une putain de sorcière. Oh mon dieu. Parce que tout va très très bien se passer, mon cher. Je suis mort, ouais, je suis mort. Ça se passe très bien. Exact. Mais je me suis bien battu, vous êtes témoin. Peux essayer de remonter, il y a une sorcière, je vais essayer de récupérer mon stuff sur place, un peu à peine de gaspiller. Rien du tout, pour l'instant je récupère du sable qui était notre mission première, Fanta. N'oublie pas ta mission. Ouais, mais tu récupères tout le sable depuis ton trou? Ouais, mais oui, depuis mon trou, parce que je fais tomber sur un des torches par terre, donc ça le dissout. D'accord. Oui, c'est bien. Hop. Du
coup, ça devrait me rapporter suffisamment de sable. Alors, je sais pas si vous avez suivi, hein, maintenant, on termine les épisodes avec un fan art et on commence par un petit best-of du précédent. Enfin, un petit best-of. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode précédent? S'il y a eu un bon gag et tout, on le met. Il n'y a pas de raison qu'on s'en prive. Ça vous fait un précédemment. Voilà. Alors, ça pue du cul. Ça pue du cul, mon petit Bob. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tu entends? J'essaye de récupérer mon stuff sans crever. J'ai été re-empoisonné par cette... Oui, tu peux le dire, cette salope de sorcière. Ok, oui, qui m'a re-niqué, il n'y a pas de raison. Ok, il y a une épée qui traîne là. Ça te manque quand même sacrément de respect, si je pouvais me permettre. Hein. Carrément. Allez, je prends que ça, c'est pas grave. Hein. Force, il n'y aura plus personne. Tu veux pas remonter, toi? Je suis bien dans mon trou là. J'ai l'impression, ouais. J'ai déjà récupéré 2 stacks, donc tu ne douteras pas de mon efficacité. Hein. Et je me fais avoir par cette sorcière. Le problème, c'est que je suis pas du tout équipé pour affronter, mais c'est pas grave. Je irai bien par la faire tomber dans la lave avec un petit peu de. Quel équipement faut-il pour affronter une sorcière? Et c'est aussi une des questions que je pose. Bah, j'aurais dit peut-être un peu de lait pour s'enlever ces potions de poison. Ah, une stratégie. Et puis je vais la pousser. Tiens, saute. Saute la vieille. Saute. Voilà, elle est morte. Bien joué, toutes mes félicitations. Elle n'a même pas sauté. The Wicked Witch of the West. Bonjour, araignée. Tu peux sortir. Oh, et les diables sont sauvés, tout va bien. Et je suis en train de récupérer tout le matos là. Je suis avec toi, si tu me vois pas. À côté du cactus, il y a ton épée. À côté du cactus, il y a ton épée. Je vais récupérer un peu de cactus aussi. Je récupère les flèches. C'est un super endroit ici pour récupérer des flèches, puisque tous les squelettes vont y crever. Ok, puisque. Oh, attention. Bien joué, Lennon. Bien ça. Ah, c'est rien. Tout va bien. L'araignée, elle dégage aussi. Hein, on en c'est pas plus. Important. Et en plus, ça nous permet de récupérer encore plus de sable. Excellent. Oulala, il y a un squelette qui se tape l'incruste. T'es pas mort, toi. Non, je gère. Non, je parle au squelette. Ah, ouais, voilà, okay. Il m'a même donné un arc, ce luxe. On se casse. On a trois fois ce qu'il faut pour faire notre plan original, Fanta. On est bon. Ok, qui est de se barrer dans le Never dans et le en prochain... plus, et en plus, j'ai du loot, j'ai récupéré un peu de cactus. Si ça, c'est pas la classe. Tu feras très attention, très cependant, sur le pont de lave, on va l'appeler comme ça, le pont de sang. Il n'y a pas de barrière, pas de lumière, pas de protection. Donc il peut y avoir des creepers qui, eux, ne disparaissent pas lorsqu'il fait jour. D'ailleurs, on n'a pas allumé ce truc-là. Oui, c'est ce que je disais. Donc c'est... Non, mais en bas aussi, je veux dire. C'est clair. Bah super, j'ai des torches. On va le torcher un tout petit peu. Lolo. Très bien. Du coup, ah merde, j'ai oublié la bouffe dans le four en bas. J'en ai récupéré la moitié, tu te souviens? Je partagerai. Je vais juste donner au... On a plus de carottes, si un peu. C'est de la carotte hein, qu'il faut pour les moutons. Pour les moutons? Non, pas pour les moutons, pour les porcs. Oui, je crois. Ah, j'aurais pas dû sauter. C'est bon, ça a rien perdu. Phew! Victoire totale! Bon, et ben on n'a plus qu'à reposer le bordel là où il faut le mettre. Un donjon nettoyé, ça c'est bon, complètement à poil. En plus, si vous voulez bien. Ça, j'ai sauvé ton épée en acier au passage. Ben, je l'ai sur moi. Ah merde! Ben, elle était. Ah oui, d'accord, ben, c'est pour ça que je me disais, elle est où? Moi, ça règle le souci. Hop! Tac, tac, tac. On peut poser tout le bordel qui ne nous sert à rien ou qui ne nous servira à rien. On a pas mal de stone brick, de mossy brick, de la cobble, des diams, de la powder. Ah tiens, d'ailleurs, on a parlé du fromage de femme et j'étais en train de penser, mais tiens, du fromage de cochon, ça n'existe pas. C'est bizarre. Est-ce que le cochon produit du lait? Bah oui. Oui, en plus, oui, c'est un mammifère. Donc, c'était une question que je me posais à moi-même. Hein. J'ai cherché pendant 5 secondes et oui, mon cerveau me répond oui. Merde alors. Ça doit être dégueulasse. Ça doit pas être compatible. Beaucoup de réponses qu'on nous a données étant que le lait de femme manquait certaines bactéries pour la fermentation qui rendait justement existe, sa fermentation en fait, un le fromage peu. De femme, ça existe. Parmi et toutes par les informations qu'on a eues, et a priori, c'est très, très doux et moelleux.
comme de là d'où elles ont tiré. Je m'assure, je pense que moi l'information que j'ai, c'était on pouvait en faire une espèce de crème fouettée pour des glaces, notamment on peut faire des glaces au de flamme de femme, et paraît-il c'est juste écœurant. Et enfin pour le fromage pur et dur, genre si tu veux faire tu sais un bon fromage comme un fromage de chèvre ou un fromage de vache, c'est pas possible parce qu'il lui manque certaines bactéries que elles ont. Peut-être à cause de notre diète, parce que eux c'est des végétariens et nous on est omnivores. Les femmes c'est végétarien. Non, les femmes. La vitesse du mal parlé dans cet épisode, mais waouh! Allez, c'est parti! Féministe! C'est... Préparez-vous! Visez, ça va être préparez-vous, visez, tirez! Allez! Et garantie celle-là. Okay. Oh, on fait absolument n'importe quoi, on est dissident. Voilà. Sérieusement, vous avez mieux à faire que de venir vous occuper de nous, on dit que de la merde. Alors, Ok, après, bah écoute. Faire, je sais pas. Je... Oh, pom, 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 pom. Exactement. On est des enculés. J'aurais pas dit mieux. Alors... Ça va, humour de comptoir. Si deux camionneurs peuvent plus faire des blagues de cul, dans quel monde vit-on? Pas que les camionneurs qui font des blagues de cul. Puis dans le commentaire, je tiens à dire que je suis camionneur. Je vous écoute quand je suis sur mes trajets. J'ai été choqué par cette déclaration. Merde. Les gars, ils peuvent plus rien dire, quoi. Ah bah de toute façon, sur Internet, c'est pas facile, hein. Ah, c'est ça, c'est... Vous êtes tous gentils, vous êtes tous mignons. La 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 la. Aucun reproche, tout va bien. Vous êtes les meilleurs du monde. Et bienvenue chez Canal+, on se met bien personne à dos. Parce que sinon, ça a chié pour nous. Et c'est pas propre, c'est Canal+. Ah, tu fais la référence à Kojima? Oui, entre autres, et pour tout. Et pour tout, j'ai envie de dire... Bah ils essayent de troller un peu, buzzer machin et tout, mais des fois c'est un peu pathétique. Le paradoxe de l'objectif primaire et primal de la chaîne, la raison pour laquelle elle avait été créée, j'entends, Canal+ est quand même une chaîne de bien-pensance, mais jusqu'à un niveau qui frise la propagande en France. Mais c'est pour ça. Donc ça me fait sourire. Alors qu'au début Canal+ était censé être justement Je n'alimente pas le débat parce que ça sera parfait dans un prochain épisode. Et aujourd'hui c'est moi qui fais le méchant, les amis. Oui, le méchant, parce que c'est la fin de l'épisode, mon petit Bob. Juste avant, je tenais à dire que voilà, mais c'est pas parce que Canal+ est une chaîne qui est très c'est quoi ce que j'avais dit, le terme que j'avais employé, bien pensant, qui était très bien pensante, que ça exclut les programmes qui passent dessus. Non, si vous aimez le foot, je vous conseille quand même de vous abonner à Canal+, quoi. Ah, je sais pas aujourd'hui si c'est le cas. Je suis pas suffisamment le foot pour pouvoir te confirmer, mais je sais pas. Moi non plus, je suis pas du tout le foot, mais j'ai toujours pensé que c'était Canal+, tu vois, c'était... Ouais, mais maintenant, il y a eu de la concurrence, hein, tu vois, il y a eu des exclusivités qui signent à gauche, à droite, il y a la France qui est rachetée par le Qatar, enfin, tu vois. Bon, enfin bref, ça ne vous empêche pas de ne pas apprécier, ça vous empêche pas d'apprécier les guignottes de l'info ou des trucs comme ça aussi. Oui, ou alors ce que fait Bagel, même si, c'est... Qui ça? Studio Bagel, qui ils ont pas racheté Canal, mais bon, toutes les productions Canal, c'est des productions qui viennent de Bagel, qui sont sur YouTube. Ça va peut-être en choquer certains, mais comme je regarde pas la télé et comme j'ai pas du tout fouillé ce qu'ils faisaient ou autre, ça peut être 6 mois qu'on m'en parle, 6 mois que je l'entends, mais j'ai aucune idée. Bagel, j'aime bien ceux qui sont dedans, mais l'hybride télé YouTube, je trouve ça. Ça m'a énervé quand je les ai vus venir, là, le producteur de 50 Minutes Inside se pointer sur YouTube, ça m'a énervé, tu vois, parce qu'on joue pas selon les mêmes règles, ils ont pas le même budget, ils ont des gens pour écrire, machin et tout, donc forcément j'ai vu un peu moyen, mais ça permet en même temps à Canal de proposer un contenu... Bah écoute, c'est le compte éternel. Double bankable, quoi. C'est le compte, c'est le truc éternel. Nous, on est des petits commerçants et on voit un Leclerc qui s'installe en face de chez nous. C'est sûr que ça fait bizarre. Ouais, voilà, carrément chez nous. Quoi. Mais c'est la vie, c'est le mais problème. Mais bon, les employés sont sublimes. Le mec de la ferme, Jérôme, n'est pas photo. C'est une tuerie. Au moins, ça reste. Voilà. Voilà. Et puis, ce sont des gens qui travaillent et qui méritent au moins tout notre respect. Mais j'aimais bien l'époque où il taclait la télé, justement. Il était très bon pour ça. Ça parlait mal, quoi. Mais écoute, hein, c'est les temps, c'est 2014, c'est comme ça. Bah oui, voilà. De toute façon, l'avenir, c'est Internet. Hein, c'est normal que tout le monde vienne. Ouais. Du coup, fin de l'épisode. Tu voulais bloquer là-dessus ?
Ouais. Ne prenez pas à cœur tout ce qu'on a pu dire. Il y a probablement des gens qui sont pas d'accord. C'est à chaud, c'est pas très réfléchi. C'est Fanta et Bob. Mais voilà, c'est du contraire. Puis si vous êtes pas d'accord, tant mieux. Dites-nous pourquoi. C'est toujours plus intelligent que de gueuler pour rien. Ouais, c'est clair. Tant restant respectueux, si on l'a été irrespectueux, si on a blessé votre cœur le plus sensible, on s'en excuse. Il y a pas de raison. Il y a pas de raison de pas être respectueux vu l'importance du débat. C'est quand même. Non, mais on a parlé des camionneurs, et oh, t'es fou toi! On a parlé de foot! Moi j'ai dit le Qatar et tout, non, mais il y a du troll qui se glisse, faut pas ça croire! Ça parlait mal! Oui, voilà, mais il y a eu bagueule et tout, oh là là! Vous savez bien qu'on est des professionnels du mal parler, nous, hein, donc faut pas tout prendre au premier degré aussi, c'est pour ça! Hein. Et puis regardez, j'aime bien Fanta, je suis le premier à parler mal dans son dos! Hein. Ouais, j'ai entendu. Le truc trop garanti. J'en étais sûr. Oui, le gars qui est parano déjà, en plus. Si t'alimentes alors. Ouais, non, mais. Ça veut rien dire, quoi. Ok. Écoutez, les amis, bisous à tous et à très bientôt. Gros bisous. Ah, et fanart, c'est maintenant. Fanart. Je nous ai fait penser aux inconnus, tu sais, qui sont là. Oui, je vous ai passé un autre clic, tu sais, pour les c'était quoi, c'était pour le papier toilette. Oui, un autre univers. Oui, on écoute. Les mecs qui font ça à la bourre, tu sais, pour vos petites fesses quand ça presse. Hein, faites vite le bon choix, papier cul tout doux. Hein, oui, c'est vrai. À la fois. C'est exactement le même que la campagne électorale. C'est génial. Les inconnus, pour ceux qui ne connaissent pas la référence, et on vous y invite. Enfin bref, gros bisous à tous, le fanart, et à la prochaine. Allez. Bisous.